Vice-président Sénat Andris Richer déclaré c'est dans un piège président Michel Martelly t'a tombé l'ali entrer dans l'entrée dans dossier coup des comptes là. Parlementaire OPL la ra poursuivre pour le dire c'est mafia qui entoure chef l'État qui t'a responsable situation ça pendant longue droite en particulier sous ministre chargé relation avec Parlement Ralph Théano. Yon l'autre pas sénateur Richer dit négociation yo pas échoué même si accord politique la pas rivé sien samedi passé ça a bien pour fête quand même. Li parlait tout de yon démarche tête ensemble qui t'a commencé entre différents partis centre gauche yon groupe famille Lavalas t'a droit gen place li la donne selon Andris Richer. Le Sénat n'avait pas exigé parce que quand on fait de la politique, il faut toujours surveiller, analyser et contrôler ça nous relie rapport de force en politique. Le Sénat, c'est prérogative li, pour que normalement il choisit les monde qui va le représenter dans la Cour supérieure des comptes. Maintenant, mais par contre, il revient au président de la République de publier non yo. Sénat fait suggestion le voyo aller pour publier. Mais l'exécutif, précisément le président de la République, entouré d'une série de conseillers qui ne parlent ni devant ni derrière. Je prends le cas par exemple de Théano. Je prends par exemple d'autres de la capacité. Donc, nek sa yo qui besoin dans toute bagaille dans le pays, il faut mettre moun pa yo. Et que normalement, qui ont vu que le Sénat s'est emparé de la situation, il n'y a pas de côté pour y passer. Donc, président de la République, là, qui n'est pas un maton en politique, ça le fait. La tante de monsieur au cap palais et puis il commet erreur. Vous supposez que président actuellement dans le moment là palais là monsieur faut rendre compte que des hommes tels que Théano et compagnie et bon c'est toute une équipe s'il s'agit pas besoin de citer parce qu'il s'agit d'une mafia et cette mafia généralement c'est comme ça va fonctionner, il y a un fil à retordre entre eux. Alors à ce moment-là, moi dis moi-même que président République là est capable de commettre une erreur. Le fait que l'accepter tant de. Imaginons par exemple un homme comme Théano, qui est censé recevoir l'argent dans l'État comme un monde qui l'a pour faire liaison entre l'exécutif et le Parlement. Théano va jamais mettre pied dans le Parlement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne travaille pas. C'est quelqu'un que la Cour supérieure des comptes supposait demander, monsieur, comment le faire toucher. Donc à ce moment-là, monsieur n'a pas d'intérêt pour que quelqu'un qui vienne dans la Cour supérieure des comptes, là, il a d'intérêt pour que. Les gens camouflage là, pour le faire comme ça. Alors, dans ce sens, ça, le président du Sénat a obtempéré à une décision de plusieurs sénateurs qui te dit que, écoutez, si vous avez 7, vous avez 8, vous avez 9, pas sien. Ou sien, vous avez tous les 10. Or, il se trouve que la lettre que nous venons de recevoir au niveau du Sénat de la République, stipulant que, il dit que, conseil de monde, que yo retenu une série de bagailles contre yo, tant que monsieur Meyu, tant que madame Fetier, bon là yo mettait Petcher, bon retirer non madame non mettre, a veut dire que yo mettait Petcher, yo mettait monsieur Meyu etc. Bon, là où est que on arrive dans une situation comme ça? Or ces gens-là, yo non seulement ils ont des papiers valables, mais c'est des gens que toute société a connu. Dame ça m'a parlé là là. Elle est responsable de la dette au ministère des Finances. Donc, même M. Lalo, t'a supposé, s'il est effectivement un bon ministre, un ministre qui se respecte, il t'a supposé faire une intervention pour lui dire, écoutez, monsieur, vous êtes en train de... Vous comprenez? Pas mentir, même t'as capable de... Alors, même lui-même, il t'a supposé faire une intervention comme ça. Là, on est donc Meyu qui a été sénateur de la République. Meyu a eu un diplôme. C'est clair que Meyu a eu des difficultés avec M. Alexis quand il était ministre. Parce que, ou qu'on est que dans le pays, ça, comment va être fonctionné. C'est toute une bataille que nous avons menée pour nous construire une société démocratique. Alors, ça qui vient dans le pays, c'est que vous vous rendez compte que depuis 25 ans, nous avons cherché à mettre une société démocratique sous pied dans le pays. C'est l'effort, le progrès que nous faisons, c'est que c'est la liberté de pouvoir s'exprimer que nous joignons. Nous ne pouvons pas rejoindre encore. Donc, ça veut dire que M. Alexis a essayé de bloquer M. Meyi sous prétexte que M. Meyi était communiste, etc. Est-ce que l'on est communiste ou pas, il doit manger? Est-ce que, par exemple, c'est l'ordre de droite ou de droite réactionnaire, ultra-réactionnaire pour manger dans le pays? C'est ça le problème, non? Alors, maintenant, pour l'autre, M. Boisguéné,
qui ça monsieur Yodou? Yodou Boagene lui-même et il était à la fois et commissaire et comment il est bagage. Ça veut dire que il travaillait pour la ministère.